Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Bon, elle est où la team Kiknia? Elle est où la team YouTube? Elle est où la team Snapchat? Elle est où la team Insta? Elles sont où là mes teams? Mais avant toute chose, non, c'est pas s'abonner, faut dire bonjour à la papaya. Toujours, toujours, on ne l'oublie pas celle-là. Je sais pas pourquoi j'ai pris Pompon, mais il m'accompagne tout le temps. Il est mignon, non? Aujourd'hui, on va regarder Pascal le grand frère. Vous savez comment c'est toujours le bordel, hein. Il se frappe dessus, il se tape dessus, hein. Mais bon, en vérité, c'est ce que vous aimez regarder. De fou va. Et où la team psychopathe? Levez la main dans les commentaires, je veux vous voir la team psychopathe. J'avais aussi un truc super important à vous dire parce que je sais que c'est bientôt la rentrée. Ah, c'est le mot interdit, je sais, mais c'est vraiment pour vous donner du courage parce que je sais que c'est très compliqué, qu'il y en a aussi beaucoup, beaucoup qui sont hyper stressés. Donc voilà, je vous annonce qu'il y aura un concours sur Instagram où je vais pouvoir venir avec vous, vous accompagner à la rentrée. J'avais déjà fait le concept l'année dernière, ça avait super bien marché. Voilà, donc je vais en accompagner 2-3 à la rentrée directement. Donc le but, c'est vraiment de passer une matinée avec vous, avec vos parents. Voilà, on va se préparer ensemble, on va se faire les cheveux ensemble, on va s'habiller ensemble. Enfin, voilà, c'est comme vous souhaitez. En tout cas, voilà, le but, c'est vraiment de partager un moment et de vous amener à l'école pour que vous puissiez avoir confiance en vous et surtout que vous passiez une super rentrée. Pour ceux qui sont intéressés, je vous mets mon Instagram juste ici, c'est Ophenia-du-bas. N'oubliez pas le tiré du bas, je suis certifiée, vous allez me trouver très facilement. Donc du coup, pour ceux qui ont déjà Instagram, bah c'est super, vous verrez dès que je vais faire le post, activez bien aussi la petite notification sur Instagram. Et ceux qui n'ont pas Insta, je vous laisse en parler à vos parents. Par contre, je ne fais que avec les gens qui sont abonnés à mon YouTube. Donc là, il va falloir liker la vidéo, vous abonner et activer la petite cloche. Eh oui, toujours très efficace cette petite cloche. Ça vous permet de savoir quand est-ce que je sors une nouvelle vidéo. Et c'est toujours super agréable. J'appelle ça la notification de la good vibes. Dès que tu la reçois, tu sais que t'es heureux. Bon allez, c'est parti, je vous laisse prendre vos popcorns, vos bonbons, enfin tous les trucs que vous avez envie de manger. Et vous posez dans ma vidéo YouTube parce que ça commence maintenant. Juste faites mon petit casque. Vous l'aimez bien mon petit casque? J'ai pas encore de casque avec des oreilles de chat, mais regardez, ça serait pas trop cute? Dites-moi en commentaire que ça serait cute, s'il vous plaît. Au moins faites semblant de mentir. Son activité favorite, mettre en pièces sa maison tout entière. Ça suffit. Attendez, excusez-moi, là, c'est pas une maison qu'on vient de voir, là. C'est la maison de Ratatouille, ça. Mais si, on dirait un frometon. Non, mais là, il détruit pas les murs, là, il les agraille. Rends-moi le téléphone. Non, non, tu l'auras pas. La vie de ma mère. Maman, laisse-moi. Non. Laisse-moi. Je te jure que je vais mettre un truc dans le verre et là, je te jure que je vais le faire. J'éclate ta télé. J'éclate ta télé. Oh my god! Après, madame, il joue à League of Legends. Mais voilà. Voilà, il faut. Non, mais voilà. Comprendre les gens de League of Legends. Les gens de League of Legends, vraiment, faut pas les déranger pendant une game. Mais il aurait pas dû jeter le verre sur la télé. Mais c'est un joueur League of Legends. Je le prends très mal ça. Ça c'est comme s'il donnait un coup dans la titinia. Pour ceux qui savent pas ce que c'est la titinia, c'est ma voiture sur Snap. On l'appelle la titinia. Donc tu vas te calmer jeune homme, avec ta coupe là. Qu'est-ce que j'ai pété? 4 fois l'imprimante. Ça. Ça. Enfin, les meubles. Et il est tombé sur la tête, qu'est-ce qui s'est passé? Tout c'est tout. On peut pas accepter. Je comprends pas là, genre, il est en train d'énumérer ce qui casse. Mais c'est pas un trophée, hein, jeune homme. Tu t'es créé aux Jeux Olympiques ou quoi, là? Pas de téléphone. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît, sinon je vais tomber à genre. Non, tu l'auras pas. Tu l'auras pas. Non, je te dis que... Dans ces moments-là, la cruauté de Jonathan est sans limite. En fait, vous savez, ça me fait grave de la peine parce que vos mamans, etc., elles conservent des choses vraiment qui leur sont chères. Ça peut venir peut-être de leurs parents qu'ils ont perdu, peu importe. Et en fait, c'est des figurines, je pense, qui devaient lui tenir à cœur. Et lui, il arrive, il les casse. Mais franchement, ça se voit qu'il est dans une famille vraiment qui fait rien. Parce qu'il y a des familles, il lui en aurait retourné 2-3. Non, pas de mon père! Dégage, toi! Dégage! Dégage! Tu me pousses pas, je suis pas le seul! Rentrez maintenant, dégage! T'as compris? Dégage! Tu rentres pas! Dégage! Casse-toi! Dégage! Je vais t'en faire! Mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle a pas mangé ou quoi là? Moi c'est typiquement le comportement que je pourrais avoir quand j'ai pas mangé pendant 3 jours. Pardon? 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 Qu'est-ce que c'est que ça là? On dirait un homme de Cro-Magnon qui sait pas se contrôler, il a trouvé du feu. Casse-toi. Lâche. Grosse débile. Casse-toi, je te dis. Le portable en plus. Monde. Bouge. Casse-toi, je te dis. Tu touches pas mon portable.
Ne touche pas mon portable. Donne, je m'en fous, il va s'éclater donc. Eh, c'est tellement ça. Je comprends le fait que vous ayez besoin de vos portables. Mais frapper sa mère, la pincer comme elle fait, mais il faut être totalement taré. Mais surtout que là, la mère, elle a rien à faire. Bah, il va se casser, tant pis. C'est typiquement les phrases que les mamans, elles disent. Mais clairement, ça se voit que c'est pas la première fois, quoi. What ? Comment ça va ? Tout de suite, monsieur Chant. Mais là, c'est une scène de crime, là, qui faisait ça, là. Ça, c'est dans Faites entrer l'accusé, là. C'est pas dans Pascal le grand frère. C'est pas ça, mon gars. Dégage. Oh, mon portable. Non. Allez, hop, tu dégages. Qu'est-ce que c'est qui se me touche là? Mais elle est malade, elle, hein? Qu'est-ce qu'elle la tape comme ça? Mais qui a ce genre d'action, franchement? Oh! Toi, toi, tu vis là-dedans, dans cette merde. Quand y aller, j'ai eu la plus grosse honte de toute ma vie, en fait. Excellent. Ça, c'est joué, il y a du moisi là-dessus. Toi, tu dors à côté. Donc, dans quel état, toi, après, tu es physiquement? Mais là, ça, excuse-moi, mais ça pue, quoi. Je veux pas dire le terme. Bah, si, ça pue la merde. Je suis désolé, mais c'est une déchetterie, voilà. C'est une poubelle. Ah, ouais. Mais hey, je sais même pas comment il fait, Pascal. Franchement, tomber dans un endroit comme ça, mais là, c'est franchement, c'est ça craint. On dit souvent, d'ailleurs, que le bordel qu'il y a dans votre chambre, ça représente le bordel qu'il y a dans votre tête. Et je vous jure que c'est très réel. Les nettoyeurs. Au travail, c'est parti, venez. C'est là-bas, au fond, à gauche. Allez, au boulot. Oh, mais carrément ! Mais non, c'est pas possible. Carrément, ils ont appelé les nettoyeurs. Tu sais, ça me fait penser un petit peu à Ghostbuster. Tenue blanche pour éviter de salir, des gants et un masque. Quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh. Waouh ! Je suis un gros crado. J'ai vraiment déconné là sur la chambre. Équipés de leur combinaison antimicrobes, nos trois experts de l'hygiène s'attellent à la tâche et elle est rude. Ils ont tout pris, ils ont pas cherché à comprendre, ils ont tout pris, ils ont tout balancé, ils ont tout... Ils vont tout nettoyer. Tout. Tout ce qu'il y a là-bas, nettoyage total. On va désinfecter ta chambre. Dans des sacs poubelles, ils ont pris mon lit, ils l'ont retourné, ils ont vidé ma chambre. Et dégage. Hé hey. Mais ça va pas? Non mais franchement, ce genre de gamine-là qui frappe leurs parents, mais je comprendrai jamais. Je vous jure, je comprends pas. Qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête à ce moment-là? Elle doit pas considérer sa mère comme sa mère, ou je sais pas, elle a une image faussée du rôle de la mère, mais je comprends pas là. Dégage que je vais te frapper, dégage. Non, franchement, elle me fait... Franchement, elle me fait même pas de la peine, elle me fait pitié. Faut mettre du sel, moi j'aime bien le sel. Mets du sel. Mais ta mère, dégage, que tu t'arrives là. Mais cache, c'est moi. Mais alors ferme ta gueule, toi aussi laisse-moi penser que tu t'arrives à me bloquer là. Pourquoi il parle comme ça là? Pourquoi il parle comme ça? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Au début il parlait bien, et après il a pris son rôle de... Je sais pas, de mec bizarre là. Bizarre un peu, tu vois. Je dégage ta mère. Mais ta mère, c'est la même mère, mais... Il est à l'ouest ce jeune homme, hein. En fait j'ai compris. En fait, les ta mère, etc., c'est devenu une habitude, tu vois. C'est devenu une insulte, alors que ça devrait pas devenir une insulte. Mélorine, qui de surcroît déteste se montrer sans être impeccablement maquillée, va une fois encore sortir de ses gonds. La garce. Attends, mais là, je comprends pas, là. La maman, en fait, j'ai pas compris, la petite, elle veut pas se montrer à la caméra parce qu'elle est pas maquillée. Non, mais les guys, genre, pourquoi la maman, elle force comme ça pour lui enlever le coussin? Là, c'est même pas un problème d'éducation, là. C'est un problème de confiance en soi. Moi, je n'arrive pas à comprendre. La maman, elle doit pas forcer comme ça. Là, par contre, je suis pas d'accord avec la daronne, hein. Je suis désolée. La petite, elle se sent pas bien. Bah, reste avec elle, aide-la à se maquiller, montre-lui qu'elle est belle. Je sais pas, moi, j'avais un enfant qui manque de confiance en soi. Bah, je sais pas, j'essaierai de lui remonter le moral, de lui montrer, en fait, son potentiel. Et pas d'être là en mode, enlève le cousin. Ça lui fait super peur, là. Dans le topo des trous, hein. Celui-là, c'est moi parce que tu m'avais cassé les couilles pour ton travail. Ça, c'est un jour où tu m'as vraiment cassé les couilles dans la maison. Non mais... Le culot de ce mec, il est incroyable quand même. Comment on peut être aussi culotté? C'est pas possible. Non. Jordan, face à cette violence, notre... Mais on dirait une hyène. Mais il est malade ou quoi? Qu'est-ce qui lui arrive comme ça?
C'est quoi cet épisode? Franchement, j'ai pas compris. Il y a trop de choses qui vont pas. Sinon, j'espère que ça vous a plu. Pampan, viens là, Pampan. Je vous laisse mon Instagram et mon Snapchat pour pouvoir aller vous abonner. Mon Insta, c'est Ophénia-du-bas, comme il y a marqué. Et mon Snapchat, c'est Ophénia. Je suis certifiée sur les deux plateformes. En fait, on est certifiée de partout maintenant. Ça, c'est agréable. En description, vous allez avoir mon lien directement pour ma boutique en ligne avec mon WhatsApp, etc. Si vous voulez rejoindre, en tout cas, parce qu'il y a des petits inédits dessus. Et n'oublions pas que tous les soirs, à partir de 20h30, je suis en live avec vous sur Kick, donc K-I-C-K. Mon Kick, c'est Ophénia. Je vous laisse télécharger l'application et venir me rejoindre. C'est super, voilà, on joue tous ensemble, on joue à Roblox, on joue à Fortnite, on fait des jeux ensemble, on discute, enfin... C'est la good vibes quoi. Je vous dis à mercredi prochain à 18h, notre rendez-vous habituel. Je vous laisse maintenant cliquer sur cette vidéo juste ici. C'est l'ancienne vidéo que vous pouvez aller visionner et vous abonner directement. Et bisous la team, je vous aime très très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.